Allez, salut tout le monde. On se retrouve avec un nouveau Lap Time Challenge sur Michelin Road Atlanta en KTM X-Bow. Donc on va aller chercher la voiture et lui faire une livrée s'il y a besoin. J'ai dû la rouler une fois ou deux, cette voiture de mémoire. On avait dû la rouler en... sans doute en permis ou ce genre de choses, elle est pas facile. Elle est pas facile du tout. Ok, on va prendre n'importe laquelle des deux. A priori, hein, je vais pas faire de changement. Ok. Voilà, 300 chevaux, 700 kilos, enfin 800 presque, quelque chose d'assez cool. Ça semble super ludique comme ça, mais de mémoire ça glisse pas mal. Ok. Je vais juste regarder les pneus qu'il faut, parce que je pense qu'il faut en acheter. Tendront les arbres, bah, tout va bien. On va lui faire sa livrée et on va rouler. Ah, je peux pas mettre mes jambes d'habitude. Le job, hein. Ok, on va laisser un stock, juste mettre les jantes larges, ça fait plus de déport, c'est plus joli. Bon, il y a que l'arrière en plus. Ouais. Allez. Livré, ça va le faire. Bien comme ça. Tac, y a rien d'autre. Ok, hop. Simple. Et hop, être simple. Ok. J'ai loupé mon noir. Bayou. 2, 4, 3, 7. Ok, et en autre, on a quoi? Ça va partir en l'air. Bon, d'ailleurs, où est-ce qu'on va le mettre, le coq là-dessus? Peut-être là-haut. Là, on va le laisser en bas. Ok. Ma jante. Ok, ensuite commence bien.
Ah, je vous ai coupé le micro juste au bon moment, je crois. Très réveillé le gris ce matin. Ok. Quoi ce truc là-haut là? Ok. Alors, tac, tac, tac.
Sérieux? C'est stylé, mais c'est pas là que je vais le mettre. Ouais, non, elle est chaude là dès le matin, je t'avoue, je suis pas j'ai pas trop les yeux en face des trous là. Mais ça va le faire. Y a trop de GTFR là. C'est parce que je l'ai modifié moi, mon grille GTFR. Ah non, le côté droit, bah non, j'en mets que du côté conducteur. Donc c'est normal. Je peux pas l'enlever de la deuxième partie. Oh, bah tant pis, ça se verra pas. Bah non, je mets toujours côté conducteur. Donc c'est normal. Thank you.
Peut-être dû le mettre dans l'autre sens quand même. Ça marche pas. Un petit 95 là, ça va faire le job. Je mettrais un truc là-haut. Genre... Excellent. Du coup, ça fera le job. Ok.
la manette. Parti. Peut-être mettre le verre tout de suite ou presque. Ouais, on va se faire ça. On va se mettre le verre. Hop, nous voici revenus en VR, comme ça. On va voir ça direct. Direct en VR. Alors, deux, trois petits réglages, mais on va être bien. Super, c'était pas les sports pour moi. Ça va être dire qu'on les avait. Ah, on les a pas. Ok. On va voir. C'est parti. Découvrons un peu cette jolie automobile. Ok, on est sur du 23.7. Ouf, 26.3 pour l'or. Allez, on va faire quelques tours là-dedans. Voilà, un petit coup de temps. Ressort qui bouge et tout. Ok. Ah, j'ai perdu la lumière. C'est dommage. Allez. Ma foi, c'est pas si mal. Voir si la si le petit dashboard il fonctionne ou pas, on verra ça. La meilleure tension là, la dump. Oh, le travail des amortisseurs est dingue. Je vais aller regarder. Thank you.
manque beaucoup de trains avant quand même. Hein. Clairement, ça glisse beaucoup du tout. Attacher les harnais, ça va bouger. Si je vois bien sympa quand même, ça glisse un peu mais en soi c'est vraiment cool. Ça peut pas être lancé dans une voiture, peut-être dehors. Cette cinématique des amortisseurs est juste dingo. Moins que ce que je croyais. Je ne sais pas pour qu'elle glisse. Pas tourné. Ça va bien se passer. Il y a des notes. Ça fait même des deux notes. Excellent. Excellent. Mm-hmm.
va pas de loin. Changer ça du coup. Les boutons sont où? Ils sont là. Salut Denis. Ouais, je viens de m'apercevoir que j'avais pas mis la petite dame qui parle. Ça se trouve, tu m'as mis des trucs là pendant que je roulais, j'ai pas vu. Par contre, du coup, vu que je suis en live, mon petit poulet, je pense que je te partage ta voix. Tu me dis juste si ça te va ou pas, sinon, t'en fous. Ok, ça roule. Ça roule fort. Elle est marrante cette petite KTM là. Elle est marrante. Ah ouais? On va voir ça. Ok. Mais ouais, non. Ah merde, je traverse. Ah non, elle est cool. Puis en vert, là, tu vois bien les amortisseurs qui bougent et tout. C'est un truc. Eh, mais c'est un truc de dingue. Hein. C'est quand même vachement bien fait. Là, je suis de travers encore. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Putain, ils ont toujours pas réglé ce problème-là du vert où faut vraiment être en face. Quand tu lances, sinon t'es toute traviole. C'est vraiment dommage ça. Ouais, bon, on va voir. Bah, tiens, après moi, Road Atlanta, c'est pas non plus ma qualité de base. Effectivement. Mais bon, elle est marrante. Elle est marrante, ça glisse un peu, mais elle est marrante. Mademoiselle. Salut Tatane. Salut Tatane. Ouais. Ça va. Je suis en live sur Twitch si jamais Tatane. Je te dis. Pas que tu te connais. Par exemple. Ça va être dur. Ouais. Bah, hier soir, j'ai. Je fais mon lap time du dimanche matin. Bah, on est chez toi là, on est à Road Atlanta. Hein. Ah, je suis là avec vous. Ouais. Je suis encore 3 tours. J'avais un super chrono, je me suis lâché dans la dernière chicane. Oh, c'est parti pour faire point 1 ou point 2, c'était mieux. En quoi, 26 25 25 Et j'ai raté la chicane. En vert, elle est géniale cette caisse, Tatane. Ah, j'aime bien. Elle est ouf. J'ai vu que les VR, ils arrêtaient la production. Ah ouais? En même temps, il n'y a pas assez de jeux hein, qui l'utilisent. Ah oui, du coup, ils ne peuvent pas les mettre assez de jeux parce qu'ils n'ont pas vendu assez. Du coup,
Ouais. Cercle vicieux, quoi. Et bah, pour un tourisme, c'est très bien. Oh, j'ai roulé un peu le karting hier soir, là. Ouais. On prenait la poudrerie, laisse tomber. Bon, déjà, j'ai trouvé comment mettre mon volant en 720, parce que sinon, laisse tomber, c'est pas durable. T'as fait des réglages volants, toi, Denis, là, pour ton truc de karting? Ouais, j'ai réglé la dureté de direction. Ok. J'ai mis à 7 ou 8, je crois. Ouais, c'est un peu mou, en fait. Je sais pas, moi, j'ai mis à 720, mais du coup, je trouve que c'est super mou. Mais... Ouais, c'est assez particulier parce que ça bouge très vite le cul en fait, enfin, c'est assez bizarre. Je sais pas comment expliquer ça, mais s'il part un peu du cul, tu le sens pas trop, c'est assez spécial. T'as le droit de régler les freins? Franchement, j'en sais rien. Je t'avoue, je me suis inscrit un peu comme ça. Faut que je regarde. Faut que je regarde. Si t'as le droit de régler les freins, ça dépend de la piste. Regarder de mettre à l'avant. Ouais, ça dépend si tu veux bloquer ou pas l'arrière en fait pour ouais. Tourner, c'est ça. Exact. Comme en vrai quoi. Ouais, là j'étais tout droit. Je sais même pas si. Ah si, j'ai validé un cours, je suis même pas sûr. Je suis en 28. Oh, je m'inquiète pas, ça va venir d'un coup. Ah. Je me rappelais pas qu'elle était vallonnée comme ça cette piste. En VR, elle est vallonnée. Je trouve qu'elle manque un peu de train avant quand même cette bagnole, non? Vous trouvez pas? Elle glisse vachement de l'avant, je trouve. En même temps, en ce moment, je trouve que toutes mes voitures glissent de l'avant, je dois prendre trop tard en fait. Il va y avoir un truc comme ça. Je crois que le retour de l'origine, je vais le faire en VR. On sera tous les deux en VR avec JB. Ça va être marrant. Ah, la première course en karting, ça va être drôle. Ah voilà. La question, c'est qu'en VR, tu sais pas ce que les mecs qui marquent dans, dans les salons. Alors, c'est les restarts. Quoi toi Tatam? Bah du coup je viens de me remettre sur ce que je fais là. Je refais la tour. Ça m'énerve de pas arriver à mettre tout bout à bout. Mais c'est vraiment parce que c'est ce circuit là, parce que la voiture, ça c'est pas mon truc. Oh! Il y a des sous à faire là. Vite. Vite, vite, vite. Des sous à faire? Ouais, j'ai la Fina qui est là. 4 millions. Ah. Ça va, j'étais parti pour faire du groupe 2. Ah. T'as une course en groupe 2, Tatane? Ouais, je me suis inscrit dans un truc. Demain soir? Non? Non, c'est l'autre soir, là. T'as vu, il y a une nation, là, mercredi? Ouais, ouais, c'est pas joueur. Sinon c'est pareil, je suis avec le bruit du coup. Et je te sors pas si tu es la course à la place. Et du coup, bah, il y a tout le monde roulé de son côté. Je suis trouvé un salon et j'ai vu. Sur le plein, je suis allé, j'ai roulé un peu. J'ai vu l'Italie, c'est un peu plus. J'ai vu l'Angleterre, j'ai vu la course. C'était marrant parce qu'il y a des gens qui ont joué. Ok. Et à la fin, il m'a vite en partie et je vois que le strat et tout le boulot, c'est le championnat qu'on lance en ligue prochaine. C'est une question de la championnat.
Si tu vas réfléchir. La remontada, quoi. Je réfléchis, je te dirai demain, quoi. Et puis, du coup, j'ai regardé, le vendredi, je suis là. C'est sûr, c'est vraiment une soirée. En tout cas, les premières, j'aurais pas trop à les préparer. Donc, j'ai dit, bah, okay. Groupe 2, 1 heure, c'est ça? Groupe 2, 1 heure, le deuxième, ça fait une course. Le deuxième, c'est le Daytonien routier. Alors, allez. La troisième, c'est le Tocomi. La quatrième, c'est Suzuka. La cinquième, c'est le Mans. Et la sixième, c'est Tila. On a jeté large, je suppose? Non, mais je crois que c'est Claroda. Avec la Gnostic, ça sera les coups. Ouais, sur Autopolis, ça va être génial. Même sur Watkin, hein. Watkin devrait être bien sûr. Ouais, après ça c'est aussi ouais. Alors là j'avoue que je roulais avec eux, j'ai toute la naissance où j'avais fait ça, pas trop cherché à comprendre. J'ai même pas envie de cracher, c'est génial. Voilà, l'idée c'est de la target, c'est de mettre une équipe A sur ce cas. Sur le cas des pilotes. Ça roule pas. ZPR Redcar. Encore, oh, sympa. J'ai fait juste 3 tours. Là, je peux à 4 tours. 4 tours sur leur propre mécanique. C'est très bien. C'est un peu visible. Bon, la première course ça devrait pas être, sauf si je fais des cagades, etc. Oh bah le but c'est pas remonter rapidement. Oui. Ça va pas trop de bosser la semaine prochaine, je suis pas là. Bon, allez, ça fera le job. En attendant, à mettre fin à ce petit live du matin, on sera tranquille.